sens ainsi. J'ai vu ça, mon gars. Ça fait un truc dans le bide, genre. Et puis, t'as compris, il m'arrivait dessus comme un sauvage. Oh. Ouh là là. Merde. Oh l'enfoiré. Ça, en vrai, Joey, il s'est jamais mis une grosse botte en cross. T'es tombé? Ouais. Oh merde, ça va? Ouh. Bon. Premier test de la Ultra B sur un gros terrain, vrai terrain, il y a du monde, il fait beau, il fait très chaud. Joe ne connaît pas le terrain, moi je suis venu une fois avec la BHR, tu te rappelles comment on l'allume? Oui, oui. Mode 4 on a dit. Je sais plus à quoi ça correspond, mais ouais. On est passé à 40 km aussi, ça faut le dire. Ah putain, la dernière fois que j'ai conduit un deux roues, c'était le phaser, j'allais commencer à embrayer. Je suis perdu en permanence. Bon, de toute façon, il y a un moment, il faudra y aller parce qu'il y a toujours des gens sur le circuit, j'ai l'impression. Allez, je te fais visiter. Oh les sensations, j'ai juste ça mon gars, ça fait un truc dans le bide genre. Putain c'est sec. Oh c'est sec ouais. On ne peut pas regonfler les pneus non. Oh les doigts. Il y aura la puissance qu'il faut. Putain réception arrière. Ah ouais. Ah ouais, il y a quand même des belles arrières qui se sont formées hein. Sa mère. Putain. Va falloir trouver les passages. Tu fais l'extérieur, tu fais l'enterre. Ouais. Putain, mais wesh les ornières. Ah l'extérieur c'est bien. L'extérieur c'est bien. Putain mais... Oh. Ah oui d'accord. Fais gaffe, y'a un mec à toi. Oh l'enfoiré. Ok, wouah. C'est compliqué hein. Ah ouais. Oh la morceau mec, c'est bon. Ah ouais. Bon, on va falloir maintenant trouver les trages sans ornière. Ça arrive derrière. L'inter est bien. Et là, l'extérieur, il y avait un truc ou... Ouais, full extérieur. Faudra bien qu'on se fasse aux ornières un jour. Ouais, ouais. Elles pour les doubler. Et ça va, elles sont moins rapprochées qu'avant, je crois. Et là, ouais. Elles. Ouais, ça fait un peu un rail. Et là, ça va. Un 85 qui marche comme un 4,5. Dégommer le trou là. Ouais ouais. C'est bien l'extérieur toi ou quoi? Ouais ouais, j'ai trouvé une trace où tu peux rouler entre deux ornières assez facilement. Ah oui du coup là avec l'extérieur tu peux prendre plein de balles pour essayer de doubler. Ouais ouais ouais. Ah, elles sont quand même longues hein. Et elles sont, putain elles sont raides hein. Ouais ouais. Enfin que je règle la manteau, mais j'avoue que j'ai du mal à sentir là ce qui va pas pour le moment. Elle, elle est bien, elle est facile. Attends, on va sortir, j'ai un peu mal au bras là-haut. Ouais vas-y vas-y. Ça va? Shit man. Elle tenait pas bien? Non. C'est juste qu'elle est plus lourde que ce que je pensais. C'est l'armoire qui a tanké. Ouais. Pourtant, t'as une routière et une enduro, c'est jamais arrivé. Hein. Ah ouais, mais là, je suis tout mou, mec. Je sais pas si on va réussir à rouler avec le gars en Stark, parce que j'ai l'impression qu'il est sur un créneau inversé à nous. Alors, ça encaisse, mais putain, c'est dans les trous, c'est violent quand même. Ah ouais. Ah
alors. Ah bah je me suis dit cours, j'ai rebondi, alors j'ai pas talonné hein. Mais j'ai eu un coup de stress, j'ai raté au milieu de la récep après. En rebondissant. Ah oui. Wow. Oh la soif déjà. Oh les trous. Putain, wow. Ouais faut y aller hein. Ah c'est la lave face au-dessus. Allez allez. Atterri, il faut viser l'ornière si fort. Oh putain, je crois qu'il voulait prendre la terre. Ouais, ça j'ai pas compris pourquoi il m'arrivait dessus comme un sauvage. Non putain, j'ai mal au poignet déjà. Il est fourbe celui-là. Ah putain, ça tape tellement avant. Ok, cours. Giga cours. Ah, je vais sortir là. Ouais, ouais. Et du coup, vu qu'elle est trop dure la fourche, j'ai genre plus aucune sensibilité dans le poignet pour gérer la poignée de gaz. Et vu qu'elle est ultra puissante, bah ça fait des boum. Ouais. Est-ce qu'il faut mettre plus de dead zone? Je sais pas. En fait, je suis pas sûr que ce soit le feeling d'accès, c'est peut-être la dead zone qui est trop réduite. Et que du coup, bah dans les chocs, ça commence à mettre gaz, tu vois. Pourtant, j'ai 4% après. Ah bah, il y a le poteau star qui rentre. Ah, on va dire bonjour. Salut. Salut. Ça va? Et toi? Ouais. Salut. Longtemps que tu l'as? Janvier, je crois, ouais. Ouais, janvier, ouais. Ah, je l'ai reçu à Noël. T'es content? Ouais, ça va. Après, c'était chiant, c'est ça. Ah oui. Ah, tu la recharges au groupe, toi, ouais. Ouais, mais ça tient pas la batterie. Oh. Ah. Tu vas trop fort. Et puis, c'est lourd, quoi. Ah, le poids, ouais, tu le sens beaucoup. En fait, quand tu te casses la gueule... Ah oui. Ah oui, oui. Tu sens plus dans le terrain gras, mais pour la relever, mais... Ça pris la 60 ou la 80? La 60. Ouais. Tu utilises... Non. Ça? Mec, ça m'a changé ma vie. Ces ampoules à chaque fin de session, je n'en ai plus du tout. Okay. Ça vaut 10 balles. C'est Tony le guidon qui te fait ça. Oui. J'aurais dû mettre un kit déco parce que les deux fois que j'ai roulé, c'était vraiment dans la merde, pas possible. Ça y est. Après, j'ai pris le frein là, j'ai du mal. Ah ouais. Même au bout, tu vois, là, c'est la troisième fois que je sors en crosse et puis j'ai déjà fait deux sorties dans les bois. Et ouais, le frein avant à droite, j'ai les bras. Ah, parce que t'as pas l'habitude, je pense. Tu fais comment pour la recharger, toi? En fait, en 1h, 1h10 de roulage, on est rincé. Ouais. Et pareil, celle-là? Ouais, bon, celle-là, elle est modifiée. Bah, on fait les premiers tests. C'est une fourche de 85, donc on règle, on essaie. Ok, cool. Mais par contre, ça fait 20 kg de moins, quoi. Ouais, c'est ça l'avantage. Et puis c'est court, donc on teste. Mais j'avoue que là, aujourd'hui, il y a des grosses ornières, quand même. On y va? Ouais, je commence à cramer, là. Ouais, j'avoue. Ça a l'air mieux, non? Je sais pas, faut que je vois. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup de rebonds, quand même, en fait. Ah, tu sors de l'ornière là, pas mal. Je sais pas, je teste des trucs. Ça a l'air un peu mieux quand même. Un poil. Oui. Je suis arrivé vite hein, quand même. Bon, du coup là. Extérieur. Faut rester extérieur. Ouh là là, mais il n'y a que un peu qui part quand même. Ouais. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Oh shit. T'es tombé? Ouais. Oh merde, ça va? Ouh. Ouais, ça va. Ah, j'ai dégusté un peu le talon. T'as fait quoi? Okay. J'ai atterri quasiment dans l'ornière derrière. Oh merde, tu t'es mis mes galons? Non, mais après j'ai perdu le... Ah, sa mère. Ah, je pensais que je le rattrapais, tu vois. Ouais, ça.
Ouais, ouais. Talon qui a pris un peu, ça va. Ça va aller pour aller devant, c'est bon. Ouais, je... J'ai mon pote qui va me ramener, ça va. Bon, sûr. Ouais, ça va, ça va. Putain, je me dis nickel, ça passe. Genre, je me mets à peu près dedans. Que tu l'avais fait avant ou pas? Ouais, ouais. Mais avant, j'étais un peu limite, alors je me dis, vas-y, je me mets derrière. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai paniqué en voyant les ornières, je me suis mis à moitié dedans. Elle a repris le grip, elle l'a reperdu, j'ai mangé un peu. Ah, et après, je suis passé par-dessus. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a qu'un guidon en vrai. Pas support téléphone, pas sûr. Et un talon. Je vais pas porter la poisse, hein, mais j'y ai pensé, j'ai fait putain, en vrai, Joey, il s'est jamais mis une grosse boîte en cross. C'est tout pour moi. Le step-up, je mets un peu derrière. Oh non, pas une jaune. Attends, j'ai vu l'ornière à gauche. Je me suis vite dedans, je suis en mode bon, j'ai bien fait mon saut. C'est con parce qu'en vrai, j'en suis sûr, on pourrait se poser loin derrière en vrai, en mode. Peut-être après les ornières. Pour vous tenir au courant, 4 semaines plus tard, c'est bon, j'ai repris l'enduro et prochaine vidéo, je remonte sur la Talaria et la Light B pour une sortie où l'on teste deux batteries. Sinon, rien à signaler sur la Stark à part le support de téléphone un peu tordu que oui, il a scié en deux pour pouvoir le redresser. Et si vous aussi, vous avez une électrique dédiée pour le cross, comme une Stark Varg, une Ultra B ou Storm B même encore, je vous invite à nous rejoindre sur notre événement full électrique sur circuit de motocross à Sichamps le 13 et 14 juillet. Et je vous conseille de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je suis trop secoué pour la passer cette putain de table. En fait. La moto elle saute aussi donc j'ai du mal à prendre de la vitesse avant la table. Qu'est-ce qui se passe? Ma main faisait blablabla. Un peu à cran le bonhomme. Pff, je vais m'occuper d'un cadavre là en plus. Le bâtard.